Kent, l'éléphant. Bonjour les enfants. C'est une si belle journée ensoleillée. Moi, Kent l'éléphant, je vais me réveiller après une bonne nuit de sommeil. Allez, on se prépare pour l'école. On se réveille. Tôt au lit, tôt au réveil, c'est ce qui me rend moi, petit Kent, en bonne santé et futé. Le matin, j'aime brosser mes dents avec ma brosse à dents jaune, ma préférée. Nous devons tous nous brosser les dents 2 fois par jour, le matin et le soir, pour des dents propres et saines. Brosse, brosse, brosse. Après, je frotte, frotte, frotte le visage avec du savon, von, von. Maintenant, choisissons une tenue pour l'école. Devrais-je porter une tenue rouge à l'école? Non, je ne pense pas. Devrais-je porter une tenue verte à l'école? Je n'ai pas envie de vert non plus. Oh, regardez la tenue bleue! Je suis magnifique! Je vais porter ça à l'école aujourd'hui. Je me trouve très bien. Qu'en penses-tu? Le bus de l'école est ici. Mes amis m'attendent. Merci d'avoir passé ce matin avec moi. Au revoir. Bonjour, mon nom est Kent. Quelle merveilleuse journée, n'est-ce pas? Je vais faire un gâteau aujourd'hui. J'adore cuisiner. Cuisinons, cuisinons, cuisinons. Mélangeons, mélangeons, mélangeons. Miam! Je me demande quelle est cette délicieuse odeur. C'est presque fini. Wouhou! Voyons voir. Pour le rendre parfait, ajoutons un glaçage au chocolat. Allez, Luc! Fouettons, fouettons, fouettons! J'ai hâte! Et c'est fait! Wouh! Quelque chose sent délicieusement bon! C'est parti! Wouhou! Waouh, Kent! Ce gâteau a l'air si délicieux! On peut en avoir? Je veux du gâteau! Je veux du gâteau! Je veux du gâteau! Moi aussi! Nous devons apprendre à partager. Alors partageons le gâteau de manière égale. Comment fait-on? Comment puis-je diviser ce gâteau également? Je vais le diviser en 4 parties. Une part pour Moumou. Une part pour Luc. Une part pour Tim. Et la dernière part pour moi. Maintenant, nous avons tous une part égale du gâteau. C'est merveilleux! Miam, miam, miam! C'est toujours bon de partager! Salut les amis! Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis là pour t'apprendre les couleurs! Je m'appelle Kent, je suis un éléphant intelligent, envoyé ici pour t'amuser! Regarde-moi! Je vole dans ma voiture magique! C'est tellement amusant! Bleu! Qu'est-ce qui nous attend? Allons voir! Dans ma voiture! Oh, elle est tellement rouge! Regarde! Wouhou! C'est tellement amusant! Couleur rouge, où es-tu? Je suis là, je viens vers toi! Yeah! Rouge! Et maintenant, je suis un joyeux compagnon et j'ai besoin d'un peu de jaune! Youpi! Je m'appelle Kent, je suis un éléphant intelligent envoyé ici pour t'amuser! Et nous traversons la ligne jaune! Jaune! Je me demande quelle couleur vient ensuite. Pour le petit déjeuner, nous devrions manger du porridge! La couleur de ma voiture est... Je m'appelle Kent, je suis un éléphant intelligent, envoyé ici pour t'amuser! Hourra! J'ai franchi la ligne orange! Orange! Après, la voiture est ouverte!
Sa couleur est verte. Allons-y. Bip bip. Wouhou! C'est super. Apprendre les couleurs, c'est vraiment amusant. J'ai franchi la ligne verte. Vert. Ma voiture est d'un joli rose. Tu trouves pas? Je m'amuse comme un fou. On y est presque. Et finalement, j'ai franchi la ligne rose. Wouhou! Au revoir! C'est une belle journée ensoleillée. Kent et Lundi jouent un match de foot très intense. Qui va marquer le but? Lundi a la balle et on dirait qu'il va marquer. Allez, Lundi! Mais Kent le rattrape. Oh non, il a trébuché sur une pierre. Pauvre Kent, il a l'air vraiment blessé. Leurs amis, les camions, se sont précipités pour l'aider. Oh oh, c'est une grosse blessure. Ne pleure pas, Kent, ça va aller. Regarde, le camion a une idée. Qu'est-ce que c'est? Un plan pour construire un terrain de foot. C'est une idée géniale. Mettons-nous au travail, tout le monde. D'abord, on enlève toutes les pierres et on place le poteau de but. Parfait! Yeah! On place les gradins. Incroyable! Et la touche finale. Lundi et Kent ont besoin d'aide pour faire les marquages du terrain. Le camion sait comment le faire. Wouhou! C'était trop cool! Hop sur Lundi! Wow! On a fini! C'est l'heure de jouer! Allez tout le monde, rejoignez-nous! Kent court avec le ballon et il le passe à son ami. C'est parti! Est-ce que ça va marcher? Oh oh! Oups! La balle rebondit et Lundi est prêt! Regardez-le jouer! Et il marque un but! Wouhou! Bien joué, Lundi! Quelle journée incroyable! C'est une journée si belle et ensoleillée! Salut, petit oiseau! Ma mission pour aujourd'hui... Waouh! C'est une carte au trésor! Je suis ici! Je dois traverser le pont et entrer dans la forêt. Après, je dois traverser la mer. Et finalement, j'arriverai sur l'île où au sommet de la montagne, je trouverai le trésor. Cela va être une aventure passionnante. On y va. Tu es prêt? Oh, regarde, une voiture rouge. Elle va m'aider à traverser le pont. Je suis à la recherche d'un trésor. Veux-tu te joindre à moi? Cela me ferait un grand plaisir. Oh, c'est super! Je peux voyager à travers la forêt dans ce gros camion. Trop bien! C'est tellement amusant! Les roues du camion roulent, roulent, roulent. Roule, roule, roule. Roule, roule, roule. Les roues du camion roulent, roulent, roulent. Dans la forêt. Il est temps de dire au revoir à mon ami camion, car regarde, il y a un bateau ici qui va m'aider à traverser la mer. Super! Hé, je navigue! Je suis à la recherche d'un trésor. Veux-tu te joindre à moi? Cela me ferait un grand plaisir. Oh, un hélicoptère! C'est palpitant! J'adore voler dans un hélicoptère. Je suis si proche du trésor. Je m'appelle Kent. Je suis l'éléphant mignon. L'hélicoptère est mon assistant. Yay! Oh, j'y suis arrivée! Enfin!
Le trésor merveilleux, si brillant. Ouvre-toi, ouvre-toi, trésor. Waouh. Un avion doré. Ouais. Ça en a vraiment valu la peine. Continue à regarder Kent l'éléphant. Au revoir. Salut, je suis Kent, Kent l'éléphant. Bienvenue dans mon monde d'apprentissage amusant. Yay. Aujourd'hui, nous allons apprendre à associer le bon visage avec le bon animal. Êtes-vous prêts? C'est parti! Yay! Pouvez-vous associer le visage? Commençons par celui-là. Non! Et celui-là? Mais celui-là? Yay! C'est une vache! Non! C'est bien ça, un cheval. Tu t'en sors bien. Oui, et un lion. Bravo. Puis finalement, le rhinocéros. Rejoins. Bien, trouvons les visages qui correspondent à chaque animal. Commençons par le visage du tigre. Est-ce que ça va là? Non. Et l'éléphant? Yay! Bon travail. Ah, non. Celui-là? Non, ce n'est pas bon. Et le visage du tigre? Oui, excellent! La poule? Non. Là-haut, c'est un chat! Et nous avons... une poule! Yay, super! Encore, encore! Ok. Voyons si nous pouvons le faire cette fois-ci plus rapidement. Yay, bon du premier coup! Bien joué! Essayons encore. Oui, c'est bien! La grenouille va... Oh, non! Ce n'est pas bon. Oui, c'est le cochon! Bien joué! Et le dernier? La grenouille! Oh, waouh! Elle s'est si bien débrouillée! Bien joué, les enfants! C'était super! J'espère que vous avez aimé notre jeu! À la prochaine fois! Salut les amis, je suis Kent, Kent l'éléphant. Et j'apprends à compter de 1 à 10. Waouh, ça a l'air amusant, non? Oui! Mais avant de le faire, j'ai une liste de courses prête et je dois aller au marché pour acheter tous les ingrédients, toutes les choses nécessaires de ma liste. Tu veux m'aider? Oui? Allons-y! Voyons voir quelle est la première chose sur ma liste. Une boîte de lait? Ok alors, une boîte de lait. C'est ça! On l'a! Check! C'est quoi? Oh! Deux pommes! Ok alors, allons chercher des pommes. Les voilà! Dans mon panier! Une, deux pommes! Check! Et après? Des crackers! 3 paquets de crackers! Ils vont dans mon chariot! 1, 2, 3! Wouhou! On l'a fait! Ensuite, j'ai... 4 pots de confiture! Miam! Voyez-les apparaître dans mon panier! 4 pots de confiture. Check. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? 5 paquets de biscuits. Mes préférés. Je les adore. 1, 2, 3, 4, 5. Wouhou! Bon travail. Merci pour ton aide. Et maintenant, allons chercher 6 carottes. Plus que 5 articles. Maintenant, 6 carottes. Peux-tu compter jusqu'à 6 avec moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carottes! Check! Qu'est-ce que c'est? C'est de brocoli. Je vais faire une soupe de brocoli. Mettons-les dans le panier. 1, 2, 3, 4, 5, 6
et 7. Wouhou! Ça va être une super soupe aux brocolis. Et ensuite, 8 tomates. Waouh! Tu peux les compter? Elles vont dans le panier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 tomates dans le panier. Check! Maintenant, nous y sommes presque. Nous avons 9 bananes. Oh, j'adore les bananes. Elles me rendent plus fort. Comptons 9 bananes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Yay! Check! Et enfin, nous avons 10 muffins. Wouhou! Il nous faut un dessert. Ouais, 10 muffins dans mon panier. Tous en un seul paquet. Sympa et facile. Check! Wouhou! Voyons voir. J'en ai fini avec les courses. Youhou! Maintenant, voyons ce que nous avons acheté aujourd'hui. Un pot de lait, 2 pommes, 3 paquets de crackers, 4 pots de confiture, 5 paquets de biscuits, 6 carottes, 7 brocolis, 8 tomates, 9 bananes, 10 muffins. Waouh! Attends une minute, j'ai appris à compter de 1 à 10. Tu as vu ça? Yay! On l'a fait ensemble! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Génial! Mon nom est Ken, je suis un éléphant. C'est tellement amusant de faire les courses aujourd'hui. J'ai appris à compter jusqu'à 10. Merci beaucoup, c'était les courses avec toi. À la prochaine fois. Bye bye. Aujourd'hui, nous allons apprendre à construire un terrain de jeu. Tu es prêt? C'est parti! Hurra! N'est-ce pas excitant? Ça va être tellement amusant. Me voici, Lundi. Coucou, Lundi. Regardez ce que j'ai, les gars. Regardez ça. J'ai le plan parfait pour le terrain de jeu parfait. Yay! Tout d'abord, nous allons placer des dalles en caoutchouc pour le sol. Génial! Maintenant, la base pour le toboggan sous-marin. Bon travail, Monsieur Tracteur! Assemblons le tout. Ces camions de construction sont si utiles. Yay! Wouhou! Fantastique! Hello! Yay! Et maintenant, que penses-tu du périscope du sous-marin pour une meilleure vue? J'ai fini! Bon travail! Et maintenant, fixons le support latéral pour notre toboggan. Bon travail! Et maintenant, ajoutons la balançoire. Merveilleux, Monsieur Tracteur, merci! Allons chercher l'autre balançoire. Oui, merci! Oui, bon travail! Eh, voilà Lundi avec le manège! Ouh, quelle hâte! Qu'avons-nous là? De merveilleuses étoiles pour un terrain de jeu bien éclairé. Waouh! J'ai tellement hâte de jouer! Incroyable! On l'a fait! Bon travail, tout le monde! Me voici, je vais descendre le toboggan! Oui! Yay! Wow! Ces balançoires sont géniales! Je vole! C'est le meilleur jeu de ma vie! Yay! Mon terrain de jeu est le meilleur du monde! Je suis Kent, l'éléphant. Aimerais-tu faire quelques jeux d'apprentissage avec moi aujourd'hui? Oui! Apprenons où les animaux vivent. Tu es prêt? Nous avons l'eau ou la terre. Et tous ces différents animaux, où se trouvent-ils? Essayons le premier. Quel est cet animal? C'est vrai, c'est un tigre. Maintenant, où vivent les tigres? Dans l'eau? Sur terre? Oui, c'est ça! Les tigres vivent dans la forêt tropicale et dans les prairies. Ensuite, oh, c'est amusant! Maintenant, où vit cet animal? Oh, je connais celui-là! C'est une méduse! Maintenant, où se trouve-t-elle? Sur la terre? Non! Les méduses vivent dans l'eau! C'est vrai, bien sûr!
Elles y vivent. Elles nagent sous la mer. Et cet animal, le rhinocéros? Où vit un rhinocéros? Oui, sur la terre, bien sûr. Le rhinocéros vit sur terre, dans la forêt tropicale et dans les prairies. Quelle est la suite? Oh, je suis impatiente de découvrir. Oh, une tortue! Maintenant, où est-ce qu'une tortue vit? Question piège! À la fois sur la terre et dans l'eau, c'est ça! Les tortues peuvent nager, vous savez, mais elles vivent aussi sur la terre. Oh, je sais celle-là! C'est ma famille! C'est un éléphant, bien sûr! Maintenant, où vivons-nous? Sur la terre ferme! C'est vrai, c'est bien ça! Allons faire une promenade avec mon cousin! La 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 la! Des bananes! Tu en veux? Où vit le requin? Un requin vit-il dans les champs? Non, bien sûr que non! Un requin vit dans l'océan, c'est bien ça! Bébé requin, dou, 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 dou. Et maintenant? Oh, je suis impatient de voir ça! C'est amusant! Un lion! Maintenant, où est la place d'un lion? Sur la terre ferme? C'est vrai! Tu deviens vraiment bon à ça! Tu es incroyable! Maintenant, où vit cet animal-là? C'est un poisson clown! Est-ce qu'un poisson clown vit sur la terre? Non! Un poisson clown vit dans l'eau! Oui, c'est vrai! Waouh! Regarde-le nager! Pour plus de vidéos d'apprentissage, abonne-toi à Kent! En attendant, salut! Bonjour, je suis Kent! C'est une si belle journée, n'est-ce pas? Je vais à l'école! Sais-tu quel véhicule je pourrais utiliser pour aller à l'école? Laisse-moi réfléchir! Peux-tu m'aider à choisir le bon véhicule? Pourquoi pas un bateau? Non, je n'ai pas besoin d'un bateau! Un hélicoptère? Oui, ce serait amusant! Mais non, je n'ai pas besoin d'un hélicoptère, je ne suis pas riche! Ah! C'est un grand bus scolaire jaune! C'est ça! Hong Kong! Les routes de l'autobus se roulent, roulent, roulent! Ils m'emmènent à l'école dans toute la ville! Hourra! Je prends un bus scolaire pour aller à l'école! Salut! Je veux aller de l'autre côté de la rivière! Quel véhicule puis-je utiliser pour m'aider à traverser? Un bus? Non, il coulerait dans l'eau. Pourquoi pas un vélo? Pas question. Un bateau? Oui, c'est ça, un bateau. Ramez, ramez, ramez votre bateau doucement sur la rivière. Bonjour, je vais au marché pour acheter des fruits. Quel véhicule puis-je utiliser pour aller au marché? Un tracteur? Non, c'est trop lent. Un bateau? Pas de rivière cette fois. Je n'ai pas besoin de bateau. Un vélo? Bring, bring! Yay! Quelle bonne idée! Faisons du vélo! C'est un bon exercice pour aller au marché. Salut! Je suis à la ferme du vieux McDonald's. Quel véhicule me faudra-t-il pour faire le tour de la ferme? Un bateau? Non! Un vélo? Je ne pense pas. Un tracteur? Oui, c'est ça! Les tracteurs vivent dans les fermes. Vieux McDonald avait une ferme. Ia, ia, oh. Bye! Abonnez-vous et regardez plus. Kent, l'éléphant.